Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. C'était vraiment pour les caméras de recul, pour vous montrer en fait le branchement. Je sais que vous avez beaucoup à me poser des questions sur le branchement de la caméra. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos de caméras sur des véhicules, mais c'est vrai que ça fait partie de mes premières vidéos il y a quelques années. Donc voilà, j'avais pas les caméras de maintenant. Je m'étais peut-être mal expliqué. Donc là, je voulais vraiment faire une vidéo sur le montage, vous montrer les différents branchements qu'on peut avoir sur une caméra de recul. Alors déjà dans un premier temps vous avez une caméra, donc peu importe la caméra, vous aurez toujours les mêmes sorties, à part si c'est des caméras d'origine, mais si c'est des caméras rajoutées, vous aurez toujours la sortie de la prise jaune et une sortie rouge. Avec vous aurez une rallonge, donc une qui va se brancher à l'autoradio et une qui va se brancher à la caméra, avec deux petits fils rouges qu'il faudra connecter. Ok? Et après vous avez un petit adaptateur qu'on va remettre à la caméra avec un petit fil rouge et un petit fil noir. Après vous aurez, alors peu importe l'autoradio, des fois vous avez des embranchements qui sortent avec les prises, mais ou alors un autoradio vous avez directement les prises, donc là ils y sont directement. Sinon des fois vous avez des rallonges et les prises vous les trouvez après. Sinon après vous avez les fils de l'autoradio et ça sera en fait toujours le rose. Donc ça dépend des autoradios. Après si vous n'êtes pas sûr, vous voyez sur votre autoradio en général c'est écrit. Donc là, on peut voir que par exemple, c'est marqué le rose, il est marqué. Voilà, il est là. Là, il est marqué parking sensor, donc pink. Donc ça sera le rose. Et après, au niveau de celui-là, alors ça, c'est le 22. Là, il y a marqué vidéo input. Mais souvent, il y a marqué CDDV in, CV in. Ça sera la prise pour brancher le fil de la rallonge. Donc alors, ce que vous faites, c'est dans un premier temps. Vous prenez, alors, vous voyez en fait la rallonge qu'on vous donne, donc vous le branchez dans l'autoradio. Donc comme je vous ai dit, vous regardez lequel jaune il faudra mettre. Donc c'est soit il y a marqué VD-IN, il y en a marquant maintenant dans les autoradios, maintenant il y a marqué carrément caméra directement. Après, le petit fil rouge qui reste, il faudra le brancher donc au rose, ok? Donc ça, vous les mettez ensemble. Donc là, bon, c'est juste pour la vidéo, donc je vais les mettre comme ça. Ok, donc ça vous les mettez ensemble, le petit rouge avec le fil rose. Après, donc ça va être derrière la voiture au niveau du coffre. Donc on va le brancher en fait. Alors vous allez le brancher. Là vous prenez la caméra, vous allez mettre le câble, la rallonge là. Ok, vous prenez le petit adaptateur qu'on vous a donné, vous allez le mettre dans le rouge. Ok, normal. Après les deux rouges, alors le petit fil rouge de la rallonge, vous allez le mettre avec le petit fil rouge de l'adaptateur de la caméra. Ok, donc je les mets comme ça, c'est juste pour vous montrer. Et après le petit fil noir qui reste, on va le mettre soit à la, enfin on va le mettre à la masse du véhicule. Vous trouvez une masse dans le coffre et vous mettez à la masse du véhicule. Ok. Et les deux petits fils rouges qui sont ensemble, vous allez les relier en fait à l'ampoule arrière de votre feu. Donc soit vous le mettez à la platine, soit vous essayez de trouver les fils de l'ampoule arrière au niveau de la voiture, vous les coupez et vous les réunissez ensemble. Alors ça c'est le branchement standard qu'il faut faire normalement dans les voitures. Après, maintenant il y a des nouveaux autoradios où vous n'êtes pas obligé de brancher en fait les deux petits fils rouges à la platine. Ça dépend de l'autoradio. Il y en a en fait, il faudra juste. Vous les branchez juste ensemble, vous mettez le fil noir à la masse et ça marchera, c'est pareil, parce que ça va détecter automatiquement dans votre autoradio que je vais vous passer la marche arrière. Okay? Sinon, maintenant, il y a des tout nouveaux autoradios où le fil noir, vous n'avez même pas besoin de le mettre à la masse, vous avez juste à brancher les deux fils rouges ensemble et ça va détecter automatiquement aussi, c'est pareil. Donc, en fait, alors, tout ce qui est nouvelle autoradio, par exemple, il y aura juste les deux petits fils rouges à mettre ensemble. Le noir, vous n'aurez pas besoin de le mettre à la masse parce que je vous dis, l'autoradio, il va détecter automatiquement. À l'avant, juste le fil rouge avec le rose. Et ça, vous les mettez ensemble, tout simplement. Voilà. Sinon, je vous dis, le branchement de base, c'est vraiment au niveau du coffre. Alors, c'est les deux rouges ensemble. Et vous le mettez soit au fil de l'ampoule arrière, soit sur la platine, mais bien l'ampoule arrière. Et le câble noir à la masse. Voilà. Donc
C'était une vidéo assez simple, mais voilà, je sais qu'on me demande assez souvent bah, comment faire le branchement d'une caméra. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est juste faut relier les bons fils. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!